assurément aimé prendre des risques pour être entrepreneur. Je crois que c'est la base de l'entrepreneuriat parce que si on ne risque pas, on va faire comme tout le monde. Au départ, il faut que tu aimes le risque. Il faut que ça te drive. Puis c'est le fun quand que tu gagnes. Puis ben, quand tu perds, tu dis... C'est... Moi, j'appelle pas ça perdre, j'appelle ça apprendre. C'est quoi le worst case? C'est quoi la pire situation qui peut arriver? Si on est capable de vivre avec le pire, ben on fonce. Je crois qu'on devient de plus en plus à l'aise avec un certain degré de risque. Un risque calculé, par contre. Le risque, c'est pas gambler, par contre. Il y a une grosse différence entre les deux. Je pense que les bons entrepreneurs, ils gamblent pas. On prend des risques, mais c'est des risques calculés. Puis c'est surtout à propos de... C'est pas tant d'accepter des risques que d'accepter des zones inconnues. Je pense que pour se lancer en affaires, il faut avoir une certaine non-aversion pour le risque, c'est certain. Mais ça prend surtout une conviction profonde que ce que vous voulez faire est plus important que bien des choses.